Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry où Matouré prédit la chute de Doumbouya et le retour de Claude Pivi. Pour plus d'informations relatives à ce sujet, nous tenons d'abord à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très très courtois dans vos commentaires. Ça chauffe du côté de la Guinée-Conakry. Ce n'est pas la première fois qu'un voyant prédit la chute du colonel Mamadi Doumbouya. D'abord, Moffa Souri avait prédit la fin de Mamadi Doumbouya et avait donné une date et avait précisé qu'un homme petit de taille devrait en fait être le prochain homme fort de la République de Guinée. Alors, la date s'est écoulée et rien ne s'est réellement passé. Alors, Moffa Souri a été arrêté et depuis on ne parle plus de lui. Alors, après l'évasion spectaculaire de Dadis Camara ici et Pivi toujours introuvable, Ma Touré, celle qui avait prédit la chute d'Alpha Condé, prédit la chute de Mamadi Doumbouya et annonce le retour de Claude Pivi. On se pose la question à savoir si ceci doit réellement se réaliser cette fois-ci, car avec Moffa Souri, cela n'a été qu'un échec. Mais nous avons plus confiance à Ma Touré, car elle avait prédit la fin d'Alpha Condé quelques temps avant. Beaucoup de personnes pensent donc que la fin de Mamadi Doumbouya est proche et que le retour de Claude Pivi est imminent. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez toujours abonnés, riscotiers à votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Partagez avec vos amis, amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous toujours très très bien.